Et salut tout le monde, c'est Buridace et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Pirate Warriors 3. Et donc, on va continuer le mode rêve, la troisième vidéo du mode rêve. D'ailleurs, on va prendre je sais pas qui. Je pense que je vais prendre Luffy de toute façon. Mode rêve, faire prendre les meilleurs. Voilà. Costume. Alors, on va prendre les vêtements du nouveau monde. Ça va faire une nouvelle technique. Dans le large. Alors. Où en étais-je? Il faut que je vais l'autre côté. Flamingo, ce sera pour la prochaine vidéo, je pense. Là, aujourd'hui, on va taper les deux amiraux de la marine qui sont bien sûr Akainu et Mister Kizaru. D'ailleurs c'est Kizaru qu'on va faire en premier. Ouais. Là. Comme ça, ok. Donc niveau 30, Kizaru, c'est parti. Je sais plus si on a besoin de faire un S ou pas dans les trucs là, je sais plus. Je me rappelle plus. Bref, pas grave. Ok, il y a donc Zoro et Wiper avec nous. Et il y a Audi contre nous. Et 4 mecs. 4 commandants, on va dire. Ok, bon, ça on s'en fout, ça. Ouais. Ok, moi ce que je vais faire c'est que je vais aller tout droit. Je vais aller direct tout droit et botter les fesses à Audi et ensuite j'irai à gauche prendre le territoire. Oui, à gauche. À gauche de la carte. Sinon c'est à droite de moi, mais c'est pas grave. Ok, ça commence bien. Allez, hop. Le ménage. Voilà. Bon, normalement, niveau 30, ça devrait suffire largement. J'ai déjà un truc. C'est rapide. Oh, mais. C'est agressif. Je vais commencer la vidéo, alors restez calme. On va prendre un petit peu la température d'abord. Je les expose direct, hein, pas de problème. Comme ça, par exemple. Voilà. Ça, c'est fait. Tu vas vite te calmer, toi. Tu estimes pas les hommes poissons, ouais. Sous-estime pas un homme caoutchouc. Allez hop, ça c'est fait. Donc maintenant je vais direct à gauche. Ok, il y a ça, Crocodile. Crocodile avec nous? D'accord, on a une sacrée équipe hein, quand même. Un peu bizarre mais. Burgess. Ok. Et moi ce que je vais faire, je vais aller là-haut. Mister Two, carrément. Non, Mister One, Mister Two, je raconte. Je fais voir Mister Two. J'ai des conneries. Ah, la soucoupe volante. Ok, voilà, ça c'est fait. Allez, on va se dépêcher.
Faber Chess, il va prendre cher. Voilà, qui est KO. Ouais. Ok. Donc, du coup, on va aller là. J'ai perdu un peu de vie quand même. Tu vas sauver Crocodile. Ouais. De rien, c'est gratuit. J'adore cette technique. Très efficace. C'est Kizaru déjà là? Ah ouais? Ah, on a vu, faut que je le bats plusieurs fois, je crois. J'ai pas de bêtises. C'est un peu tôt quand même. C'est quoi, on va enchaîner, il va rien comprendre. Je sais pas si faut faire un S ou pas, au pire c'est pas grave, on a fini. On peut plus trop. Tout ce que je sais, c'est que là il va prendre cher. Et voilà. Non, je l'ai battu. D'accord. Qu'est-ce que je pense, c'est pas fini. Un Kuki Zero, mais c'est pas fini. Quel fuck. Retire temporairement, d'accord. Donc il va revenir. Dégage mon chemin. Ouais, j'ai peut-être dû prendre Victor One ou Crocodile. Cher à Niabon. C'est du monde qui arrive. Voilà, c'est fait.
Bordel. C'est plus un bordel. Allez, on va éliminer tout ça. Voilà. Oh le ménage. Là j'ai fait du ménage. Ok, tout en S, ok cool. Bon, sans lui, il va se faire démolir. Il faut m'occuper des postes, là. Voilà, je fais un peu le ménage. Oh, vous battez Moria, qu'est-ce qu'ils font là? Voilà. C'est une crevette là. Il faudrait être battu depuis longtemps déjà. Montrer comment on fait. Commande la marine en pêche. C'est les couilles. Allez, dégagez. Voilà. Il en dépêche. Vite. Quel est bientôt arrivé ce con. Peut-être tu fais une petite connerie là. Allez, dépêche. Plus vite. Oh putain, ça va être short là. Ça va être short. Non, ça devrait être bon en fait. Dégage. What? T'as pas compris le message, je crois. Voilà. Là, il a compris. Bon, du coup, je vais sûrement éliminer celui-là. Pas le territoire là. Hmm?
Ça fait le bot là. Ah, qui c'est toujours bon. Bon, bah, je vais aller le bot direct. Pas perdre de temps. Parce que derrière, il faut encore combattre avec Ainu. Dans cette vidéo là, on fera les deux amiraux, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, on va essayer de faire ça rapidement. Il est là le coco. Allez, c'est parti. Pas de cadeau. À la lune directe. Il prend cher. Là, je pense qu'on est en train de prendre cher. Ça va faire mal. C'est pris une rousse là. Et voilà le travail. Kizaru is out. Et voilà. Une nouvelle victoire pour Mister Lu. Et la perso de plus à débloquer. Niveau 49, bien. Et au niveau 50. Mmh. 24 des pièces de Xiao, bien. Bon. Et du coup, ça va être parti pour Kizaru peut prendre. Voilà, c'est bon. Ok, voilà. Ah si, il faut faire un S quand même en fait. Bon, bah c'est parti pour botter les fesses de... D'ailleurs, j'ai un A là. Faut que je le refasse. Bien sûr, ça sera hors vidéo. Moi, je fais que vidéo, je fais que les boss finales. Enfin, les boss. Les points noirs, comme j'ai dit lors de la première vidéo du mode rêve. Bref, on va attaquer le... L'enfoiré. Le poulet. Kainu. Ah bah il est direct là, bien. Je vais botter les fesses direct. C'est gentil ça. Ok. C'est parti. Let's go. Déjà plus cher. Ah l'enfoiré. César, qu'est-ce qu'il veut César? Donc c'est pas te cul. Enfoiré. Si, j'ai cassé l'autre là. Mouret et compagnie viennent d'arriver et visent l'ombre de César. D'accord. Et du coup, moi j'en ai rien à foutre de. Pas Kaino à la fin du temps parti. Ok, bah, je m'en fous de. Ils sont trop tués, je m'en fous. Pas mes oignons. Plus Moria et Mister Mister César, et je les porte pas dans mon cœur hein, perso. Donc s'ils veulent se mettre dans la face, bah vas-y hein. Pas de problème hein. Moi j'ai autre chose à faire.
Putain! Comment ça me saoulait lui? Pourquoi ça? Mais genre! Putain, mais il meurt jamais, c'est ça? Ça le délire? Allez, dégage! Je prends cher. Il va où là? S'enfuit quoi! Prends la fuite! Tu vas voir, avec ça, t'es sûr d'être KO. Voilà. Puis la Kainu. It's dead. Ouais, c'est ça. On fera tous. Bon. On va mourir au César. Je vais battre les deux, c'est encore mieux. En plus, ça rime. Il est où, mon César là? Il est là. Non, bah, en fait, c'est Moria qui est mort, c'est pas grave. Du coup, je vais quand même l'éliminer, là, quand même. What? C'est quoi? Voilà. Ok, mais César il est avec moi. Ok, je comprends rien. Bref, on va faire le ménage. Faire le ménage d'un coup. Pas un peu de santé là, c'est de la merde. Putain. Bon, alors on prend le territoire là. Y'a personne ou quoi? C'est mort ici. Oula, c'est quoi ça? Genre Akainu avec Nami, non mais lol. Puis quoi encore? Oh, c'est pas grave, c'est un détail. Nami a la traîtresse. Quand je l'élimine avant la fin du temps parti. Ah. Ça peut être fun. Ok, Alvida et Onko qui se battent, normal. Ok. Ils ont pas vraiment tout fou en fait, hein, j'ai l'impression. Ok. Là ça va faire mal. Et même Akainu il arrive à pris cher. Vida en coq. Si vous faire avec eux là. Faire un truc ou quoi? J'ai pas l'impression. Pas en coq ou le Vida. Oh bah le choix il est vite fait. Hein. Direct à le Vida. J'ai rien à foutre de le Vida, c'est vrai. Cette grosse. Cette grosse moche.
ça. Difficile de l'avoir quand même, hein. Avec tout ce monde. La jouerai. Oh la vache, cher. Adieu. Voilà. Super. Bon moment. Qu'est-ce que je fais? Il y a du monde là quand même. Je vais éliminer. ラウンドセック。派手にしねえ。エレファント。置いておこうか。負けねえよ。これは海賊王になる男だ。よっ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 。よ
Fais ta pause. Voilà, ça c'est fait. Ok. On est où là, au niveau des évaluations? Oula, oui. Je suis pas terrible niveau de... les points Kizuna. Là. On va faire mieux que ça. Non, bah oui. Avec sa tête de mongol là. Ah, ça y est, un coq est revenu. Hey, dégagez. La protège. Un Mio très mécontent vient d'arriver. Très mécontent. Avec ce mot fou. On tape. Pas comme... S'il est pas content, il est pas content. Calé aux chiottes. Ça calme. Bon allez. Ouais, les équipes de taré, la Luffy avec César, Baggy et Coupola, c'est quoi l'équipe? L'équipe de cinglés, ça. Yo, Miwok, il est là. Il est déjà KO, Miwok, ouais. Il est plus cher déjà. Round secco. Et voilà. Toujours là, hein. Merde. Oh bah il est KO de toute façon. C'est pas moi qui le rend. Voilà. C'est Crocodile qui l'a eu. Super. Bon bref, on va descendre. Merde, c'est pas ça que je voulais voir. Ok, on se rapproche. On se rapproche du 1200. Miwok qui est avec nous maintenant. Oh putain, c'est tombé, c'est quoi l'équipe de fou là? Ça devient sérieux de ça. Hein. Il est déjà là, Kainu. Il a cassé les couilles déjà. Voilà, territoire capturé. Maintenant, on se casse de là. Encore un mec là. C'est qui ça? Kaku?
Vas-y. Fais-moi l'honneur de te faire mordre la poussière. Il a résisté quand même. Voilà. Quel coup d'aide. Allez. Avançons. Il y en a encore un là, des commandants. On va lui faire mordre la poussière. Voilà. Il y en a un autre en bas. Putain, je prends ça avec. On a combien là niveau de l'évaluation? 1004 toujours. Casse-couille ça. Voilà. Là, il y en a un autre. Comment ça, crocodile d'aller au secours hein. Ma gueule quoi. Mais non, il va très bien. Adieu, Akainu. Alors, foiré. Ok, adieu. Non, non, il a résisté. Hein. Qu'est-ce que c'est? Voilà. It's out. Bon, ben voilà. Bon, il n'y aura pas de niveau 50, dommage. C'est pas grave. Merde, j'ai pas eu combien de pièces on a gagné, c'est pas grave non plus. Bon ben voilà. On a fini les deux amiraux que je voulais faire. Donc ça va être la fin déjà de cette vidéo. La prochaine fois, ça sera donc Akainu, voilà, débloqué. Qu'est-ce qui se passe? Nouvelle prime. Arlong, ok. Ah bah on a débloqué en plus les... Ah c'est bien ça. Ah il y a Garp. Bien, il y a Garp. Je savais pas qu'il y aurait Garp. Mais écoutez, je vais offrir à Garp. Garp et puis sûrement... sûrement deux Flamingo. On en fera deux encore une fois, je pense. C'est chiant, je dois traverser tout le long là. Je vais juste voir c'est qui là. Ok, il y a Barbe Blanche, ça sera plus tard. Ouais, bah de toute façon, c'est Doflamingo, de toute façon. Fait chier à regarder. Mais...
Ouais, c'est de Flamingo. Il n'y en a pas d'autres, ça. Donc voilà. Donc, prochaine vidéo, ce sera donc sur Garp et sur Doflamingo. Donc, cette vidéo-là est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouvera très prochainement pour la suite. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!